Blonde, son fils parti chercher la vie, oh elle prie pour lui. Hey, 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 elle pense à lui, plutôt faut qu'il réussisse, oh elle prie pour lui. Hey, 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 ça fait longtemps déjà. Yo la famille, comment vous allez? J'espère que vous allez très très bien, c'est votre homme, c'est Vité Héritor. On dit quoi ici? Voilà, il y a trop de jaloux là. Voilà, il y a vraiment trop de jaloux. Voilà, j'ai deux petites choses à souligner avant de rentrer dans le vif du sujet. Voilà. Bon, on va dire qu'à rouler, moi je comprends pas. Hein. Je comprends pas. J'ai pas compris ta réaction hier. Honnêtement, jusque-là, je suis encore surpris. Et malheureusement, je n'ai pas dit heureusement quelque part, ça me permet de voir aussi tous mes sorciers, tous ceux-là même qui me jalousent pour rien. Parce que j'ai pas la même tête qu'eux, j'ai pas la même manière de réfléchir qu'eux. C'est aussi bon, mais franchement, ça me surprend bien de toi parce que tu es un petit que j'apprécie tellement. Tu sais pas à quel point jamais je n'ai parlé mal de toi, jamais je me suis plaint de toi. Bon, moi, ce qui me fait un peu rire dans cette histoire, c'est que dans le début, quand j'ai commencé à parler d'autres artistes, vous m'avez tous critiqué comme quoi je parle d'autres artistes. C'est ce que vous faites maintenant. Vous faites maintenant. Ma chaîne a commencé à être monétisée, ça crée des jaloux. Pourquoi ma chaîne est monétisée? Mais il y a beaucoup d'entre vous qui ont commencé à monétiser la chaîne. Pourquoi vous n'aimez pas la vérité? Pourquoi vous ne pouvez pas accepter que vous jalousez la personne pour rien? Elle ne vous a rien fait. Je ne suis pas obligé de réfléchir comme vous. Voilà. Je reconnais que, comme on dit, je me suis cogné la tête quelque part. Bon, ça mérite le péril. Mais en même temps, je sais que je ne me suis pas cogné la tête parce que j'avais dit ici que je soutiens la musique ivoirienne. Mais si un artiste se comportait mal, j'allais lui dire, c'est ce que j'ai fait. Et puis par extraordinaire, je pensais que toi, mon petit, tu allais m'applaudir. Mais, comme quoi, tu es fâché contre moi, que tu vas me briser dans une de tes vidéos aujourd'hui et tout ça, je comprends bien. Faut pas te faire comme ça, hein. Voilà, ne te laisse pas manipuler. Reste toi-même. Je connais très bien, je sais pas qui est derrière ça. Mais ne rentre pas dans ça, ne rentre vraiment, vraiment pas dans ça. Sinon, à la longue, moi, je vais t'ignorer, voilà, parce que j'ai vraiment pas envie De me disputer avec toi ou de rentrer dans quelconque clash avec toi. Tu n'as pas remarqué comment mes clashs ne dis pas? Quand je réponds, j'avance en fait. Quand je réponds, j'avance. Hein mon petit? Comme on dit, faut doser. Hein? Si tu veux, d'avance même, je te dis, tu as gagné. Faut doser. Hein? Faut doser. Voilà. Bref, une autre chose. Là, c'est aux fans bêtes de DJ Arafat. Là. Ceux qui ne réfléchissent pas beaucoup, qui savent qu'insulter et puis raconter du n'importe quoi en commentaire. Là. Et les amis, regardez-moi bien. Hein. Je ne suis pas venu sur YouTube pour vous spécialement vous plaire. Parce que parmi vous là, il y en a d'intelligents, il y en a qui me comprennent et il y en a qui sont d'accord avec mes vérités. Donc vous, si je vous comprends bien, DJ Arafat c'est un moine, c'est un saint, à la limite c'est un dieu, il est parfait. Quand il s'agit de venir faire ses éloges, faire sa promotion, parler bien de lui, vous ne vous plaignez pas. Vous êtes d'accord avec ça. Souvent même vous me traitez d'hypocrite, parce que je parle de votre artiste, parce que je parle en bien de votre artiste, comme quand je cherche des abonnés. J'avais déjà plus de 25 000 abonnés avant de me concentrer sur DJ Arafat. Et je me suis concentré sur lui parce qu'il avait un album à sortir et puis il s'était réconcilié avec son ami qui le traite des déchets aujourd'hui. Voilà, moi je suis très objectif dans ce que je fais. Ma seule erreur, comme je dis là, et je ne vais pas la changer, si c'est pour ça que vous pensez que je ne suis pas crédible ou bien je prends position, là c'est vous qui voyez. C'est le fait d'être venu sur les réseaux sociaux que je suis fan de Bordeaux Likoufa. Si je ne l'avais pas dit, je pense que je serais peut-être dans les 200 000 abonnés aujourd'hui. Voilà, mais je garde toujours cette étiquette là parce que c'est ce que je suis. Voilà, je ne suis pas en concurrence avec quelqu'un fan de Bordeaux ou avec quelqu'un fan d'Arafat. Voilà, chacun sa manière de défendre son artiste, chacun sa manière de promouvoir la musique ivoirienne. Donc les amis, c'est pas pour vous là. C'est à certains des fans très intelligents de DJ Arafat que je m'adresse, et à lui aussi, pour lui dire qu'il n'est pas le centre du monde et tout ne doit pas tourner autour de lui. Voilà, je ne l'ai pas insulté. C'est parce qu'il a traité mon artiste des déchets hier que je me suis permis de le traiter des déchets aujourd'hui. Parce que quand tu dis que celui-là c'est un ami, quel que soit les histoires que vous avez eues, tu peux même pas te donner le droit de le traiter des déchets. C'est ça qui vous fait mal. C'est pour ça que vous vous acharnez là. Donc vous allez continuer à vous acharner. Moi je vous ai déjà dit, je préfère avoir 100 vues de personnes très intelligentes, très matures, que d'avoir 100 000 vues de personnes très idiotes. Voilà. Donc quand tu n'aimes pas quelqu'un, fais comme moi. Fais comme moi. Ignorer les vidéos. Je ne sais pas combien de vidéos les gens ont fait sur moi. Mais on me parle de ça, je n'ai pas encore vu. La seule personne à qui j'ai répondu une fois, je me rappelle, c'était Will Steph. C'était Will Steph. Mais depuis lors, vous avez vu, j'ai continué ce soi-disant clash-là. Non. Tu fais un truc qui ne peut pas être dit, c'est ce que je pense.
C'est pas mauvais. Voilà, donc ne venez pas emmerder les gens. Si vous n'aimez pas ma tête, vous avancez simplement, vous ignorez complètement. Vous ignorez. Et puis ce qui est sidérant dans votre histoire, vous êtes d'accord, vous soutenez quelqu'un qui traite son ami de déchet. Vous, traitez, vous justifiez ça. Quand c'est dit à la fois, vous pouvez justifier comme quoi il était sifflé de la colère ou bien c'est une façon de l'amener à bosser. Moi aussi, quand j'ai traité des déchets, là, c'était une manière de fonder son orgueil. Voilà. C'est une façon de lui dire qu'on ne dit pas ça à son ami. Et qu'est-ce qu'on, quand on te dit ça, comment tu te ressens? Voilà. Comment tu sens la chose en fait? C'est un petit coup aussi que j'ai dit ça. Pourquoi vous ne l'interprétez pas comme ça? Vous emmerdez le monde, mes amis. Vous emmerdez le monde. À cette minorité de fans-là, c'est vous qui êtes dans le déclin de Didier Arafat. Je vous ai dit que je vais progressivement vous expliquer certaines choses, non? Vous allez comprendre. Mais comme vous êtes bornés, les plus intelligents vont comprendre. Parce que demain, c'est vous et votre artiste qui allez avoir honte. Et je sais de quoi je parle. Bref, donc c'était votre petit mot. Je commence maintenant la vidéo. Ok. Famille, en fait, comme je l'ai dit dans le titre, moi je comprends maintenant pourquoi Serge Blanc n'est plus prêt à entendre parler de Didier Arafat. Hein. Parce que le mec, lui, il a compris un peu ce qu'est Didier Arafat. Voilà, il a compris. Et il a compris qu'il ne peut pas faire le long ferret ce genre de personne-là. Moi, je me blaguais en pensant que Didier Arafat peut avoir une nouvelle personnalité, peut changer sa manière de penser. Mais je me suis trompé, carrément trompé. Parce que souvent, il faut avoir honte de ne pas reconnaître le bienfait d'autrui ou bien de ne pas reconnaître la sincérité d'autrui. Pendant que certains passaient le temps à insulter des Bordeaux Likoufa, moi, qu'est-ce que je faisais? À cause de l'album et du concert, je faisais que soutenir. Je me suis même fait des ennemis. Je me suis fait, même fait des personnes qui m'ont quitté aujourd'hui. Ils disent que je suis fan de Didier Arafat et qu'il insulte notre artiste. C'est un notre artiste. Pourquoi je fais sa promo et tout ça? Vous voyez? Mais aujourd'hui, comment vous me remerciez? Moi, ils m'ont foutu de ça à la limite. Voilà, je m'en fous vraiment de ça. Mais ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est que Didier Arafat n'est pas un saint. Toutes les fois qu'il aurait à faire une bêtise, on va le dire. Si ce n'est pas moi, ce sera quelqu'un d'autre. Voilà. Moi, je comprends pas. On est dans un game où il y a un artiste à qui on peut pas parler. Parce que quoi? C'est lui les fesses du pape? C'est lui le boss de la Côte d'Ivoire? Non. Il faut pas abuser. Il faut vraiment pas abuser. Je ne sais pas ce qui vous passe par la tête. Vous pensez que c'est comme ça qu'on est fan. Vous pensez que c'est comme ça qu'on est fan. Vous me faites rire, vous tous. Vous n'aimez pas entendre la vérité. Quand toi, Didier Arafat, tu parles de futur là. Je l'ai dit hier, tu n'étais pas dans le futur. Et puis tu sais très bien que ce n'est pas faux ce que je dis. Et dans le futur, ce n'est pas acheter les voitures de 100 millions. Et quels 100 millions? On va en venir dans les vidéos, chose prochaine. Quels 100 millions? Et dans le futur, ce n'est pas louer une maison. Et dans le futur, ce n'est pas jalouser tous ses collègues artistes. Être dans le futur, c'est pas vouloir être au-dessus de tous ses collègues artistes. Être dans le futur, c'est pas vouloir être toujours au centre de l'attention. Être dans le futur, là, c'est être très bien organisé, comme Benoît, avoir au moins construit une maison, et non de moindre, une duplex pour sa mère, ce que Benoît a fait, et deux maisons pour lui. Même si c'est des boîtes d'allumettes, au moins, ces maisons-là lui appartiennent. Cet artiste-là, je peux me permettre de dire que lui, il est dans le futur. Vous êtes là, on vous dit certaines vérités, ça vous fait mal. Vous voyez, ça n'arrange pas votre artiste. Mais on s'en fout. On s'en fout. Ce dernier va se permettre de venir dire n'importe quoi sur les gens. Et puis, on est là, on doit se taire. Parce que quoi? Il a des fans qui sont bêtes dans son groupe, qui passent le temps à insulter. Mais on s'en fout de ça. Qui continue à insulter? Les injures venant de la Chine, pour ne pas dire venant de certains Chinois, sont quotidiennes maintenant. On a habitué, honnêtement, on a habitué. Changer, venez avec des idées, venez avec des propos. Généralement, ceux à qui je réponds là, c'est les gens qui posent des commentaires bien réfléchis. Puis j'essaie de discuter un peu avec eux. Mais si ça vous dit, bah bien, ta mère, quoi, lâche, et bien, yeah. C'est pas tout, on dit. Voilà, parce que vous aussi. On s'était, mais le jour qu'on dit, on dit on veut se faire voir. Mais vous ne méritez même pas même. Donc je vais vous ignorer. Sinon, hey, un artiste qui passe son temps à envoyer des pics à ses amis. Généralement, tu étais en bois de nuit et puis tu dis, il y a des artistes qui se promènent en string. Je me rappelle, tu avais fait un snap
du conseil de Serge Bénaud, comme quoi on laissait entrevoir, comme quoi il avait porté un string. Tu t'es approché pour voir si c'était un string. Moi, il pouvait relayer, mais tellement il sait que tu n'es pas quelqu'un qui a de bonnes intentions là, il est ignoré. Mais tu forces toujours. Bon, il prend ce string là-haut. Par rapport à toi, la sacrée est tout le devant. Tu as juste le nom. Et tu as juste des fans gamés parmi tes nombreux fans. Qui te font croire que tu es le maître du monde. Or, il n'en est rien. Actuellement là. Beno est trop loin devant toi. Et puis, il y a un truc qui me fait rire avec certains fans de la Chine. C'est que vous, quand on fait les interviews avec Tatis, et puis on lui demande comme ça que est-ce qu'il peut se réconcilier avec Serge Beno, et puis il dit jamais coco de Marseille, mais jamais, jamais. Là. Ça c'est normal. Hein. Lui, à la fin, il peut dire ça. Mais quand on demande à Beno, est-ce qu'il peut faire une collaboration future avec Jarafat, et puis il dit jamais. Vous, ça vous choque. Scandale. Beno a clashé Jarafat. Ah bon? Les vrais hypocrites, là, c'est vous. Vous n'aimez pas entendre la vérité. Vous n'êtes qu'une bande de suiveurs. Je peux vous ignorer, hein. Mais c'est vous. Je suis vous. Parce que je sais que vous allez bavarder, mais vous allez venir toujours commenter. Parce que Beno sait que le mec, là, si je fais l'erreur de dire je me réconcilie avec lui, il va venir m'humilier tôt ou tard. Ce qu'il a fait à Desbordeaux. Ce qu'il a fait à Desbordeaux. Donc, il faut arrêter. Il faut arrêter. N'abusez pas. Didier Arafat n'est pas Dieu. Didier Arafat n'est pas un saint. Quand il déconne, il faut le lui dire. Quand il est applaudi, on l'applaudit. Mais quand il déconne, il faut le lui dire. Bientôt, il va me prononcer sur son album. Et puis, si vous voulez, là, partez faire vos investigations ici. Et puis vous allez voir si je mens. Pour l'instant, on s'entraîne en matière. On est dedans. Quand vous savez qu'il est insulté, il n'y a pas de problème. Moi, il n'y a pas à vous insulter, mais on est dedans. Et vous laissez, ciao, ciao.